Hello, hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. We have Madame Deborah Kayembe avec nous. So we are very excited. On est tellement dans la joie. Merci beaucoup pour les francophones et les anglophones. On est tellement dans la joie aujourd'hui avec Madame Deborah Kayembe. So on va être entre l'anglais et le français. So please be patient with us. We're just Okay. gonna go between French and English because we have a multi-platform. We have a multilingual platform. We are so excited today to have Dr. Deborah Kayembe avec nous. So on est vraiment dans la joie. Merci beaucoup. Connectez-vous. Entrez. So invitez vos soeurs, vos mamans, tout le monde. En tout cas, on est là bien, bien, bien assise et prête pour écouter maman Deborah. En tout cas. So if you can just put, you can turn on your alert so you can be, today we have a very full schedule. We're starting with the Dr. Deborah Kayembe this morning, and then we're going to have in the afternoon another speaker, Dr. Madeline, and then tonight we're going to have four other wonderful women that we're going to start with and then finishing up today at 6 p.m. Okay, Dr. Deborah, we are so excited to have you today. At with you solution show. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Absolutely, absolutely. So we are just to jump on and start with our first question for you. Can you tell us more about who is Dr. Deborah Kayembe and who inspired her when she was growing up? I am Deborah Kayembe, but I'm not a doctor yet. I understand many people make this confusion between being a doctor, but I'm not a doctor yet. In other countries, my equivalent is a doctor, so I take everything. So thank you for that. Absolutely, yes. So the question is, who inspired me as a young child? Patrice Emery Lumumba. That was my inspiration because I think he was a man who lived out of his own time. At the time Congo was about to become independent, he has a larger vision, a different way of seeing the world, and I really like this man. And he says once, "I have no mothers, I have no father. I know the Congo fastened me, and I'm gonna do something about the Congo." That was the testimony of his life. And I thought that was also the way I look at my life. I'm saying I don't have any, I am a citizen of the world in this new age, citizen of the world. I give my very best everywhere I go, and with the blessing of God, I walk forward. That's all I have, nothing else. Awesome. Well, that's a very one. And that's somebody that we all know, not just in Congo or not just in Africa, but around the world. So, I'm going to ask you again the same question in French. So, our Francophone community can be able to understand the question. Alors, Madame Deborah Kayembe, nous voulons juste connaître qui vous a inspiré lorsque vous étiez en train de grandir et aujourd'hui aussi, qui est votre leader que vous admirez beaucoup. Donc, ces deux questions, c'était qui la personne qui vous avait inspiré quand vous grandissez et aujourd'hui qui vous inspire aussi? Je pense que la personne qui m'a le plus inspiré quand j'étais enfant, c'était Patrice Emery Lumumba, parce que c'était un homme qui a vécu au-delà de son temps. C'est un homme qui avait une grande vision pour l'Afrique. Et il a toujours dit, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père, je n'ai pas de religion, donc je n'ai aucune appartenance. J'aime le Congo m'a façonné, je veux donner le meilleur de moi-même. Et c'est ça qui est devenu finalement la phrase de ma vie, partout où je suis passée. Je suis citoyenne du monde et je donne le meilleur de moi-même à mon entourage, je donne le meilleur de moi-même là où je foule mes pieds. Dans ce temps moderne, si j'ai un leader que j'apprécie le plus, c'est Angela Merkel. Parce que Angela Merkel, elle a changé l'histoire de l'Allemagne. Vous savez, l'histoire nazie de l'Allemagne, l'histoire fasciste de l'Allemagne. Angela, une femme qui est venue de rien du tout et qui a changé cette histoire de l'Allemagne. Et j'aime beaucoup sa personnalité et sa détermination à changer les choses. Donc, c'est mon héros, Angela Merkel. Awesome, that's good. Et ça même, ça accompagne la deuxième question qui est comment est-ce que vous inspirez des autres femmes en tant que leader? So, je veux aussi dire ça en anglais. Madame Deborah, our second question to you will be, how do you inspire or how do you empower other women as a leader? As a leader, I always give the opportunity to the women to discover themselves, to see where they are strong and where they are weak.
I'm not telling them how to do their lives. I've been around people who are struggling and they came next to me. What I've made them understand, you need to look at your weakest point and your strongest point and exploit the stronger one. And if you fall, no matter how much time you fall, even if 7, 10 times, stand up and continue again. Be determined, have faith. Two things. C'est comme ça que j'ai fonctionné avec beaucoup les femmes dans ma vie. Les femmes qui m'ont suivi et qui ont voulu être à mes côtés, je leur ai dit, regarde ton côté fort et ton côté faible. Ne t'hasarde pas avec le côté faible, concentre-toi sur ton côté fort. Et dans ce que tu es en train de faire, même si tu tombes 5, 10, 15 fois, relève-toi et continue. Sois déterminée et puis avoir la foi en toi-même d'abord, avant d'avoir la foi aux autres. Voilà. Et ça, c'est directement, ça nous emmène surtout à penser au mindset, tu vois, parce que le mindset est tellement important. So, comment est-ce que docteur, maman Déborah, toujours essaie de garder son mindset ferme, même lorsque ça ne va pas? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? J'ai traversé des moments où la mort était mieux que vivre dans ma vie. Je suis allée, j'ai traversé ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et je pense que par rapport à ça, c'est ma foi en Dieu qui m'a soutenue. Parce qu'il y avait des moments où je me réveillais le matin, je mets le pied de mon lit et je me dis, je vais où là? J'en peux plus, c'est trop difficile. Dieu, aide-moi. Je crois une force supérieure qui est la force de Dieu. Et je dois reconnaître ça. Sans Dieu, je n'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai réussi aujourd'hui. C'est sa grâce qui m'a accompagnée, mais aussi la foi et la capacité, la détermination, ces qualités que j'ai, qui ont fait qu'à chaque fois, au moment où j'arrivais au bout, il y avait toujours une porte qui s'ouvrait et j'avançais. It's my faith in God, because in my life, I went through the valley of the death, and I have to say, it was unbearable, difficult, because there was days that I wake up in the morning and I just leave my bed and realize, what next? I can't do this anymore. God help me. I always refer to God, and he's there watching over me and supporting me. And every time I reach the level where I can't do it anything, there's another door open and I move forward. So my faith, my determination was the quality I have used, but the grace of God was always there. Yes. Also, another question that we want for you to just share with the audience is like, what are some of the tools that help you to become a better leader? Ou bien, je pourrais dire ça en français, quels sont les tools que vous avez eus et que vous avez aujourd'hui qui vous ont vraiment aidé dans votre parcours en tant que leader? Vous pouvez partager avec l'audience. Un seul secret, pensez aux autres d'abord, vous après. Pensez aux autres d'abord, vous après. Et puis même quand vous faites l'investissement, ne voyez pas toujours l'argent. Voyez la réputation qui vient avec. Et c'est ce qui est toujours important. One secret of all for being a good leader is to think about the others, not about you. And when you get something, don't look at the money first. Look at your reputation and what you gain from it. How you make a society a better place. That is the motto of everything. And after that, then you can look at the money. But right now, do I really need to worry about the money? No more, not anymore, you see. Yes, that's true. So I know that for many of us, I did get a chance to read, you know, more about Mama Deborah. She's a lawyer, she's a linguist, she's a human rights definitely campaigner. So to me, you have le parcours est vraiment long, mais dans quelques minutes seulement, si tu peux nous donner le parcours de Mama Deborah, mais on commence pas en Londres, là où tu es, mais sinon, le parcours que tu as commencé depuis le pays jusqu'ici, et si tu peux nous dire dans quelques minutes. Très rapidement, j'ai terminé l'université. Pendant les années en tant qu'étudiante, j'ai travaillé en tant qu'activiste de droits de l'homme volontairement. Et pendant ce temps, j'ai développé des liens avec les bureaux des Nations Unies à Kinshasa. Qu'au moment où j'étais prête à obtenir un stage, ils m'ont donné ce stage parce que je le méritais. Et pendant mon stage aux Nations Unies, j'ai rencontré un avocat qui était très, très, très capable et qui m'a dit, si tu veux faire une carrière spectaculaire, tu dois retourner au barreau. Alors, je suis retournée au barreau pour devenir avocate et continuer mon travail de droit de l'homme comme je l'ai continué jusqu'au moment où j'étais obligée de quitter pour des raisons politiques et m'exiler au Royaume-Uni. Alors, quand j'arrive au Royaume-Uni, c'est le coup de scandale parce que là, l'éducation que j'ai eue au Congo, les diplômes que je ne vaut à rien du tout. Ce n'est pas comme aux États-Unis. Ça ne vaut à rien du tout. Tu dois rentrer à l'université étudier. J'ai 32 ans et je dois recommencer l'université. C'est quelque chose que je n'ai pas accepté.
Alors, au moment où j'introduis mes demandes, ils me donnent une option. Tu peux aller en Écosse parce que ton diplôme est reconnu en Écosse. Et à fois que je me dis, si mon diplôme est reconnu là-bas, je peux trouver quelque chose d'autre. Je n'abandonne pas mon travail de volontariat, je m'investis toujours dans les volontariats et j'arrive en Écosse, je rejoins les barreaux. Mais avec le temps, les côtés activistes prend le dessus. Et puis mon travail en tant qu'interprète fleurit, ça fleurit parce que c'est surtout les États-Unis qui me donnent cette opportunité de travailler à travers le téléphone et par rapport à VIP, online. C'est là que je découvre le monde entier, je découvre la souffrance du peuple, je découvre comment est-ce que les gouvernements du monde sont en train de gérer les êtres humains en les partageant C'est un élément très crucial dans mon rôle en tant qu'activiste de droits de l'homme lorsque je partage ces cas-là dans les endroits où les murs sont fermés et personne ne peut écouter. Et ça commence à changer la vision de l'Écosse par rapport à l'être humain. Et là, je suis invitée à ce qu'on appelle l'Université nationale de l'Écosse. Mais il est très différent. On appelle le Royal Society of Edinburgh. Là-bas, vous faites des propositions sur les policies, la manière de diriger le pays, mais sur base des individus et des expériences que vous avez. Et c'est là qu'il m'est découvert. C'est la première fois depuis que l'Écosse existe, une personne noire rejoint le Royal Society of Edinburgh et donne ces éléments cruciaux, des éléments que personne n'avait jamais entendu parler. Et ça me donne une sorte de reconnaissance parce que maintenant, l'Écosse s'ouvre au monde et crée des conditions de travail qui n'existent pas encore. Et c'est trois ans plus tard qu'ils m'honorent avec le portrait en tant que la première femme noire rencontrée à Royal Society of Edinburgh. Et jusqu'aux événements de la mort de George Floyd, comme vous savez, la planète est connectée. Et c'est là que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'une femme noire, seule, célibataire, intelligente, fait des progrès extraordinaires en Écosse, comme la plupart le disent, ça fait seulement moins de 10 ans que je suis en Écosse. Et c'est là qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Alors, lorsqu'ils m'attaquent, je leur dis que je vaux la peine. Alors, j'ai créé ce mouvement des Freedom Walk Campaign qui embrasse tous les pays et qui séduit l'université pour m'inviter à devenir docteur. Donc, c'est ça le mouvement. That's very empowering. But if you can just say that in English, so le parcours, it's amazing, and that's what, because of your mindset, that will even inspire me. You know, as a woman, this is really amazing. If you can just repeat that in English, so a lot of people will hear what you just mentioned. Donc, my life started in the Congo. For the years I was a student, I really did activism for student rights at university. And that gave me the door to be in touch with the UN office in the Congo. So at the time I was ready to do an internship as I'm finishing my university study. They welcomed me in their office and I started working with them. Later on, I met a lawyer who told me, Deborah, you are really good at what you're doing, but you need to go to the bar to practice law. And then the combination will make you a better person. So I listened to his advice. I went back to the bar. And when I went back to the bar, I could carry on with my activism, protecting human rights in the Congo until I was forced to leave for political reasons. So I end up in the UK where it's very difficult, you know. It's not like in America where everybody's given the chance to try. There's many several options. But in the UK, raised, educated, and qualified in a French country, you have to do everything from the beginning, which I did not accept. I rejected that option. So they told me, if you want to continue, your qualification is good in Scotland. You can try in Scotland. So this is me going to Scotland, and I arrive in Scotland, where I continue my work as a human right in voluntary sector. I have invested a lot in voluntary sector, although I still get this attention through the voluntary section, where I was invited to the Scottish National Academy to sit on working groups. So through the working groups, I've amazed my knowledge of the question of refugees issues, this resettlement of people around the country. I amazed them the way my knowledge of human rights in Africa. So that made them, after 3 years, realizing I deserve my achievement to be celebrated when they erected my portrait at the Hall of the Royal Society of Edinburgh. Until the time George Floyd was killed in the United States,
the same movement of Black Lives Matter came in the UK, but in Scotland it was a different feeling. It was black versus white. It was back to the plan. It was just that, and I was targeted without doing anything at all in the middle of pandemic and lockdown. So they get to my house, they put the nails on my car so I could crash in an accident and die. But in response, I showed them I was a very intelligent, dependent, capable, independent and capable woman. That made them angrier. When I set up the Freedom Walk campaign, if ever civil rights movement in Scotland, they didn't get the message, but the whole country came beyond and supported me. And that is that brought me to become director of Edinburgh University. That's it. My goodness, that's just amazing. And just to say about the way you really kept your mindset, that's just amazing. And I would like, again, for you to share in French and English about what really helped you to keep your mind focused, but also what really helped you to stay motivated. And how's your family really supported you on your journey as a leader? In my journey as a leader, I was alone. It's some of the things people need to learn. I was alone. Yes. You know, you can't go to this thing. I had my children next to me, but there were things I never shared with them because they are kids, you know? So I had to say I was alone. And then that being alone was maybe a good thing because it motivated me to stay stronger and looking around. What my children are next to me, they're hoping a lot from me, so I have to stay strong. As I said before, my faith in God played a big role in this. You know, there was a moment it was just at the limit, just a bit too much, just exhausted. And thank God for some friend. I did have some friend who gave me a helping hand, but really, I have to say my faith in God saved me. C'était quoi qui était votre force, surtout pour garder votre foi en Dieu, mais aussi la force pour avancer? Quand vous faites ce genre de combat, vous êtes seul. Ne vous en faites pas beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que tout le monde vous rejoint dans le combat que vous êtes. Vous êtes seul. Mais j'ai eu des enfants qui étaient à mes côtés, mais des fois, je ne partageais pas mes secrets avec eux parce que ce sont des enfants. C'est difficile. Je dois avoir que les capacités que j'ai eues et quelques amis qui étaient là et qui, de temps en temps, me donnaient la main, mais que ce n'était pas assez, mais je devais être déterminée moi-même. Et ma foi en Dieu m'a beaucoup aidé dans tout ça, je dois le dire, oui. Oh, wonderful, maman. So, what next pour Mama Deborah Kayembe? You know, I don't know what next, because from today as tonight, I have 25 invitations from all around the world. I'm going to be traveling once the lockdown is over. We're finishing in April, and I'm on the flight everywhere in the world. I got India, I got Kazakhstan, I got France, I got Belgium, you know, everywhere. So if you want to invite me, I'll be happy to come to America and share my story. What I'm going to do from now on is to give my anti-racist campaign another level. I want the world to understand that racism is not a right thing, it's the worst of humankind. And we have two roles. We have roles about that. We have roles in 1940, the Second World War. And we are wars in Europe, people killing each other because of racism. And I need any ally in the world to fight racism. And also, I'm the ambassador now for the Edinburgh University. We need to see more people from poor background getting better education, just to reduce the gap of inequality because it exists. And then fight this pandemic of COVID. I'm going to fight it until my last energy, so we can move on and get back to our humanity. That's it. Absolutely, yes. Alors, another very good question for Mama Deborah is like, what is the normal day for Mama Deborah? I know maybe it's not, but maybe you can just give us a few ideas about what Mama Deborah do, like, you know, just very routine every day, what Mama Deborah do. Aussi pour les francophones, j'ai demandé à Mama Deborah si elle peut donner juste l'exemple de... sa journée, par exemple, si elle peut nous raconter exactement ce qu'elle fait, les routines pour Maman Deborah. Ouf! Ça a beaucoup changé depuis l'élection, hein? Mais généralement, c'est moi d'abord, ma vie de prière, ma famille, mes enfants passent avant toute chose. Donc, je suis très tôt le matin, je suis sûre s'ils vont à l'école, s'ils ne doivent pas aller à l'école, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ensuite, je m'investis avec mon organisation parce que je suis fondatrice de Full Option. Donc, je me concentre
full option, les objectifs de full option, les programmes que nous avons. Et maintenant aussi, j'ai le Freedom Walk et maintenant aussi, j'ai l'université. Donc, je m'appelie à mes tâches. Mais j'aime cuisiner. À un moment donné de la journée, j'aimerais que je vais cuisiner. Je fais un bon quelque chose comme ça pour mes enfants. Awesome. Je cuisine toujours pour mes enfants. J'ai fait un repas pour eux parce que ce monde de fast-food, ça commence à donner le monde. Donc, je cuisine. Et alors, en fin de journée, je fais une réflexion de ce qui s'est passé toute la journée. Donc, il y a un moment donné dans ma chambre, j'éteins la télé, j'éteins tout. Je fais une réflexion de tout ce qui s'est passé dans la journée, là où j'ai échoué, là où j'ai réussi. Et le lendemain, j'ai un calendrier établi, ce que je veux faire. Je suis une personne très, très, très bien organisée. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens... Je donne beaucoup d'importance à l'organisation, à mon agenda, comment je le fais. Et c'est ça mon secret. Wonderful. That's my day. Wake up in the morning, giving my prayers. First of all, my children, my family is my priority. Make sure they get to school. If not going to school, I make sure that they get what they need. And then I look at my organization, full options. Now I have full more campaign. Now I have the universities. I have my company, the interpreting company. So I look at any task I have on that day. But also, I want to get to my kitchen and cook because I make proper meal for my children. I don't really trust cooking. So I cook my food. And by the end of the day, there's a moment where TV is off, everything is off. I'm reflecting on what I'm supposed to do tomorrow. And I always have a diary for everything I do. And in my diary, is that give me the opportunity to see, but I can't do this, I cannot do this. I'm a very, very organized person about my task. I'm very meticulous about that. I always look at what I'm doing and if it's necessary to do it, and I move on. That's it. That's good. Following up question is, Mama Deborah Kayembe, what would you say to a young woman or even a professional young woman who just started her journey as a leader? What would you say to her, you know, right now, if you had an opportunity? Donc, je demande à Maman Deborah si elle peut nous dire dans quelques mots qu'est-ce qu'elle peut dire à la jeune fille ou à la jeune dame qui veut juste commencer en tant que leader, qui veut aussi commencer son parcours. D'abord, il faut vous concentrer sur vous-même. Vous savez, dans cette vie de femme, il y a beaucoup de distractions. Je ne dis pas aux femmes de ne pas être mariées, je ne dis pas aux femmes de ne pas avoir des partenaires, mais je vous assure, il y a certains partenaires qui viennent dans votre vie pour vous détruire. Donc, vous devez vous concentrer sur vous-même d'abord. Et ensuite, comme je l'ai dit, dans tout ce que vous êtes en train de faire, ne visualisez pas l'argent d'abord. Ce n'est pas bon. Quand vous faites des choses, vous avez l'argent, vous n'irez nulle part. Et la troisième des choses, c'est que soyez déterminés. Et puis, ayez la foi. Ce sont les choses que je... Pensez toujours aux autres. Ça, c'est vraiment la première des choses. Pensez toujours aux autres avant vous. Ça, c'est un bon leader. So, on the leadership, first of all, you need to concentrate on yourself. You know, there's moms, their boyfriends, and husbands. I'm not saying to people not to get married, but you need to find a good partner for your life. And if you cannot find, go alone. That's one of the things you have to do. And secondly, don't put the money first. You know, look at your reputation. Look at what you're achieving. Don't look at the money first in this business. Don't do that. You're not going to get anywhere. And then have a faith and determination on everything you do. It's very important. And always think about the others. Not you. The others come first. If you want to be a good leader, the others come first. And that's it. Awesome. That's a very good advice, Mama Deborah. Awesome. Now, in the multitask and very organization that you have, how do you keep a balance, you know, as a leader? Because there's so many people that they struggle with that, you know, even though you are organized, but you have so many invitations, you have your life, you have your business to run and organization. How do you keep a balance in all of that, Mama, as a leader? The balance comes that you have to see where is your limit. You know, whatever you do, where is my limit? You can't overwork yourself because if you got sick, everything you do is going to collapse. So you have to know what your limits, and then within your limit, give yourself a time off. And then the healing. I mean, if I survive my life, so this traumatic life I've had, it's because my healing process was really, really careful. I'm talking about mental healing. Mental, you know, I spent years on counseling. Like in the UK, we don't pay for medical prescriptions, but it's very important to take that side of the mental healing is very important, and your body has to be healthy. And in order to be healthy, you need to have limit.
Don't overwork. Don't do that. It's not getting you anywhere. It's not taking you anywhere. Donc, c'est comme je dis, vous devez avoir des limites. Vous savez votre limite lorsque vous, jusqu'où vous pouvez vous arrêter. Et puis, au courant de des années, j'ai réalisé que le traitement mental est très important. Vous savez, moi, j'ai une vie très turbulente, très palpitante. Et si j'ai survécu cela, c'est parce que des années, j'ai passé des séances psychologiques de soutien mental et qui m'ont aidé à me tenir. C'est très important. Le fait que vous ayez des séances psychologiques ne veut pas dire que vous êtes folle. De la même manière, vous allez voir un médecin pour vous faire soigner. De la même manière, vous avez besoin de mental. C'est très important. Ça fait partie de l'équilibre. Donc, toutes ces choses sont très, très importantes. Et il faudrait vraiment tenir en compte le fait qu'il y a une limite. Et dans cette limite, il faut se reposer et il faut se réinvestir. Parce que si vous tombez malade, il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est ça la réalité. Yes. Oh, awesome. Anything else that Mama Deborah, you would like our audience to know, and especially I'm also going to put on the link, you know, the full option website for Mama Deborah. So if people want to get involved and also stay tuned, because she's coming back in I think March 18 or 19 for 30 minutes again, she's giving us this opportunity to listen to her again. She's going to be on stage with so many other speakers when we're going to have our conference again. So definitely, Mama Deborah, do you have anything else that you'd like the audience to know? Or also something that's coming up? Je demandais à Mama Deborah si elle peut nous donner aussi un mot de la fin, mais si elle peut nous parler aussi de full option et comment est-ce que les gens peuvent être involved. Et à la fin, je pourrais mettre le lien, comme ça les gens pourront vraiment être en contact avec Maman Deborah. Et en tout cas, il ne faut pas oublier, elle va encore nous revenir dans une semaine et demie, le 19, je pense, qu'elle va encore nous donner nos 30 minutes pour que nous puissions encore écouter et apprendre encore chez Maman Deborah. Full Option, c'est mon organisation et l'organisation fait la promotion des droits de l'homme et de la paix. Tout simplement. Quand je vois le droit de l'homme, je vois la justice, la justice réparative. Et la paix, c'est ce que nous devons construire chaque jour parce que la paix est tellement fragile. Et ce sont ces choses-là que Full Option est en train de travailler. Si vous allez, comme on vous a promis les liens, regardez les objectifs de mon organisation. Et si vous pensez qu'on peut avoir un terrain de collaboration, je suis très, très, très ouvert par rapport à ça. Parce que c'est ce que j'aime. Ça, c'est mon bébé et j'aime ça énormément. OK? Donc, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous et je vais revenir comme promis. Et on va travailler, il y a beaucoup de travail. C'est un mois très difficile parce que c'est le mois de mars, il y a beaucoup. Et j'espère que les choses vont se calmer un peu et on sera en train de terminer ce qu'on veut. So, for Full Options, it's a human rights organization and we promote human rights and peace. Human rights because we want to see reparative justice and peace is so agile that we have to work toward it every day. It's very important. So if you want, you're going to have a link about my charity. And if you find there's a way that we can work together, I am open for any kind of collaboration so we can build a better life. That is the reason why we're doing this. We want to build a better life. And really, as a last word is that just be faithful to yourself. And then know your limit and know what you are doing. And be kind. Because there's something that is no longer in this world, is kindness. Be kind. Be considerate. It's so important in our lives. Once you live with those principles, you'll see your life is much easier. Your life is much... I don't know. I never thought to become rector of Edinburgh University, but I'm in the job for 11 days now. I'm rocking. Rocking. Yes, because there was a preparation which I did not know, but I'm feeling so comfortable with it. That is life. So look, think about the others. Forget about yourself. And although you forget about yourself, look after yourself too. That's what I have to say to you. Thank you so much. Thank you, Mama Deborah. As I promise you guys, this is a perfect example of public servant. This is an amazing, this is really inspired me as a woman. Just listening about her, you can feel the passion, the fire, but also her mindset, because that's really first I remember actually, you know, how I really read about her. It's almost like I was so overjoyed because to be able to see like her public figure, but also just to see the woman beyond her. Like she's been doing this for many years, guys. I mean, today we know her, but this is a journey. And that's why we are celebrating many women among her. But today it's just a perfect example that the way she inspires us today, it's a very example of a public service. And that's what it's really, to me, my definition of true leadership. It's really about the service.
And doctor, I mean, Mama Deborah came, but she's a perfect example. Donc, j'étais en train de rencontrer à tout le monde qu'aujourd'hui, on a été vraiment, on a écouté cette histoire parce que Maman Deborah, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai connue, mais quand j'ai lu à propos de, j'ai dit, mon Dieu, je dois parler à Maman Deborah parce que c'est vraiment, elle reflète l'exemple de public services. Elle reflète vraiment les leaders qu'on a besoin en ce moment. Et puis, elle a parlé de l'amour, elle a parlé de kindness, et comment surtout être bon, comment être. Parce qu'on n'a plus la sympathie. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y en a plus. Et c'est quelque chose qu'elle, elle nous donne gratuitement. Et elle a commencé le parcours d'un leader très longtemps. Mais nous, on la connaît seulement aujourd'hui. Mais elle a commencé déjà à travailler. Puis, elle a mentionné, elle a travaillé seule. Ça veut dire quoi? Dans le leadership. Des fois, tu dois être seul, de toi, tu dois accepter ça. Donc, c'était son mindset qui l'a vraiment aidé. Donc, aujourd'hui, nous vous encourageons, les femmes, aussi les hommes, mais surtout les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont là, et nous célébrons aussi votre parcours, mais ensemble avec Maman Déborah. Nous voulons vous dire merci, merci beaucoup, Maman Déborah, pour ce nom que vous avez donné. Je sais que vous êtes tellement occupée, mais je sais que nous allons encore parler d'ici une Merci. semaine et demie. Merci beaucoup pour votre Merci. parcours, en tout cas. Merci, Ok. Maman Deborah. Bye bye. Et on pourra mettre le lien pour tout le monde, comme ça, les gens D'accord. seront en contact avec vous. Thank you so much, guys. And it was wonderful. Thank you so much. And I'm just gonna say that was a good treat. That was amazing, amazing that we just received some few nuggets about who was Dr. Deborah and how her journey really led her today to be leading three other organization that she's doing alone, and she has her team, of course, and she's had her family. But to me, this is a perfect example of public service. And this month, I'm celebrating all these great women because that it's all about empowering women. And she's one of the ladies that I can't wait to hear more about it when we're gonna have another conference from the March 16th to the 21st. She's gonna be again among those great speakers. So please stay tuned. And we're going to have a little break right now, but we're coming back at 3 p.m. Central Time, no, Eastern Time, which is a 2 p.m. Central Time with a wonderful Dr. Madeline that we're going to talk about leadership. So please stay tuned and thank you for being here. If you have questions and you'd like to be more in touch with us with your solution, sure, please let us know. And thank you for being here today. Bye-bye.